samedi avec nous. I don't think that I'm being that selfish right now. You said yourself you'd be breaking every vow. I can understand you're tired of this town, and I'm not saying that we have to settle down now. Just remember this: we could have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out there, made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must, to do what your dreams are telling you to do. And I'll be out there looking for someone like you. So I guess I should have known. You said yourself you wanna do this alone. Autre tête par rapport à ce matin, quand je vous ai pris. J'étais me préparer, je suis maquillée un tout petit peu, vraiment léger le week-end, voilà. Surtout je sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui. On va peut-être aller faire un tour, jusqu'au magasin d'usine de... Bon Duel, pour aller faire le plein de légumes, parce que comme j'ai dit à Greg là aujourd'hui, ce midi c'est des cordons bleus jurassiens avec des pommes de terre et j'avais pas prévu de légumes. J'avais dit oh, je trouverais bien un truc, souvent le week-end je me prends pas trop la tête, je trouverais bien un truc avec ce qu'on va aller chercher, parce que toutes les semaines je dis on va y aller et à chaque fois on n'a pas le temps d'y aller quoi en fait. Donc là on va peut-être essayer d'y aller cet après-midi, puis après on va bricoler un petit peu en extérieur. Greg a rendez-vous aussi au coiffeur avec Stacy. Et puis il faut qu'elle aille voir pour ses lunettes. Parce que hier elle a fait le. Elle a joué avec Marley et Marley lui a mis un coup dans les lunettes. Et du coup, elles sont un peu tordues. Mais Stacy sans lunettes, elle voit pas grand chose. Je suis en train de faire. Préparer ma semaine. À chaque fois, je fais ça le week-end. Alors maintenant, j'essaie de le faire le samedi, comme ça après. Je suis tranquille, surtout quand j'ai pas mes ongles à faire. Alors au début j'allais refaire mes ongles ce matin, mais comme c'est la Saint-Valentin la semaine prochaine, je me suis dit je les ferai plutôt le week-end prochain, comme ça je ferai autre chose, voilà, je changerai de couleur. Et ouais, donc là je suis en train de... Donc quand je ne fais pas mes ongles le matin, le samedi matin, quand je ne fais pas mes ongles le samedi matin, il y a des moustiques. Ouais. Il commence déjà à avoir des moustiques. Et ça, la semaine dernière, j'ai eu une mouche dans la maison. Je me suis dit, déjà ? On n'est que début février, et déjà des mouches. Bref, donc oui, je reprends. Donc quand je ne fais pas mes ongles le samedi matin, j'essaye de faire ma préparation de semaine le samedi. Comme ça, je suis tranquille le dimanche. Donc préparation de semaine, c'est... Mon menu, ma liste de courses, je fais mon agenda, mon planning et tout. Je regarde ce que j'ai à faire, comme ça ben après je commence la semaine tranquille. Et en plus comme souvent je fais faire les courses le lundi, de fruits et légumes le lundi, en sortant d'avoir été déposée Stacy, et ben comme ça ma liste elle est déjà faite, j'ai pas besoin de courir le lundi matin quoi, en fait. J'ai juste à prendre mon papier avant de partir la déposer et c'est fait. Hop, j'étais en train de... sur ma petite liste. Alors cette petite liste pour les nouveaux, si vous la souhaitez, elle est sur le blog. C'est une petite liste que j'ai plastifiée, donc après j'écris avec un marqueur hop là, semi-permanent. Celui que je préfère, c'est celui-ci de la marque... Alors c'est une marque... le nom est un peu Staedtler, je dirais. Alors est-ce que vous voyez? Voilà. C'est des pointes fines, donc c'est vraiment une pointe très très fine au bout. Donc j'écris avec sur mon truc, donc du coup l'avantage c'est que ça s'en va pas. Quand vous écrivez dessus, vous voyez là, par exemple j'ai un menu, ça s'en va pas quand vous passez votre doigt. Et pour l'effacer, j'utilise l'éponge magique ou et
quand ça laisse encore des petites traces, de l'alcool ménager. Donc là, c'était ce que j'étais en train de faire. J'étais en train d'enlever ma petite liste. Allez, du coup, j'ai commencé en déjeunant. J'ai bu un golem de smoothie ce matin. En ce moment, le week-end, je fais des smoothies pour toute la famille. Là, ce matin, je les ai un petit peu eus. Du coup, il était vert. Greg me dit c'est dégoûtant de manger un, de mélanger. Alors lui il est très on mélange pas le sucré et le salé, enfin il est pas très sucré salé qu'en fait. Et là le fait de mettre des épinards dans mon smoothie, il me dit mais t'es dégoûtante, comment tu fais pour boire un truc comme ça le matin. Après il était bon, mais comme je lui dis on sent pas les épinards en fait hein. Là j'avais mis épinards, mangue, ananas, donc surgelé hein. Mangue, ananas et j'avais mis aussi du fruit de la passion. Un kiwi, des épinards et un morceau de gingembre. Mais j'avais mis un peu trop de gingembre, il prenait un tout petit peu trop le dessous. Moi ça m'a pas dérangé du tout, mais comme Stécie elle a dit que ça prend trop le dessus, elle l'a pas bu. Alors après je fais, c'est bien parce que du coup comme je fais en grosse quantité, je peux mettre plus de fruits. Vous voyez comme là j'ai mis un kiwi, j'ai mis une poignée de mangue, une poignée d'ananas. Donc quand on fait que pour une personne, il faut vraiment mettre 2-3 morceaux parce qu'autrement, on dépasse le quota des fruits. Quoi, en fait, où on se retrouve avec une quantité... mais comme là, je fais pour nous quatre avec Marine et Angel, Stacy et moi. Greg n'est pas trop le matin. Donc, du coup, moi, je peux y aller. Quoi, en fait, je peux bien mélanger. Demain, je vais essayer de faire avec le curcuma. J'avais acheté du curcuma en racine. Je vais faire un green smoothie. Pas un smoothie, mais couleur orange or, quoi, en fait. Donc, je verrai. On verra. Je ferai ça. Je vais faire ça demain. Du coup, ce matin, j'ai mangé ça avec un verre de kéfir. Et Angel avait été chercher des petits pains et des croissants pour tout le monde ce matin. Donc, du coup, j'ai mangé un croissant. Tout frais de la boulangerie. Enfin, de Marie Blachard. Bon, allez. Là, ce que je vais faire, c'est que, du coup, j'ai fait mon menu pour la semaine prochaine. Une ébauche. Il me reste juste le menu de ce soir. De samedi soir prochain. Et là, c'est la même chose. Je ne sais pas ce qu'on mange ce soir. Je sais ce midi, mais je ne sais pas ce soir. Donc, on verra. Donc, je vais faire ma liste de courses. Et puis ensuite, je vais... faire mon planeur. Et je vais peut-être aller me faire un petit café. Pour boire un petit café en même temps. Parce que là, du coup, ce matin, j'en ai pas bu. Enfin, j'en ai bu qu'un. Au réveil. Oui, donc comme je vous disais, la petite fiche pour la liste de courses et toutes les autres petites fiches que vous voyez utiliser dans les vlogs, donc comme là c'est le menu de la semaine, il est sur le blog si ça vous intéresse, si vous voulez aller voir. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Si je n'oublie pas. Autrement, vous allez sur le blog et vous allez le retrouver avec la barre de recherche. Allez, hop. Liste de courses. I can wait and remember this. We could have been stardust, same world but without us. Something made us find each other out there. Made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must. To do what your dreams are telling you to do. And I'll be out there looking for someone like you. Prochaine, tout est prêt pour bien attaquer la semaine prochaine. Là, je vais préparer le repas pour hop, ce midi.
comme je vous ai dit, j'avais prévu logiquement des légumes. Enfin, j'avais pas prévu de légumes parce que je me suis dit qu'on aurait sûrement été bon duel cette semaine, mais on n'a pas eu le temps. Donc du coup, je vais faire avec ce que j'ai dans le frigo. Et en même temps, j'avais prévu une quiche au brocoli pour cette semaine. Et on l'a pas mangé parce qu'il restait des lasagnes. Mais le brocoli, vous devez savoir, ça se garde pas énormément au frais parce qu'après, il fleurit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire cuire pour ma quiche de lundi. Comme ça, ça sera fait. Alors, j'ai regardé dans mon frigo, il me reste du carotte. Il reste des carottes, champignons, brocoli. Il me reste aussi des endives, mais je pense que je les mettrai plus demain dans le... Je vais le faire avec le rôti de porc, je pense plus. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cuire. Je vais équeuter mon brocoli. Je vais faire une poêlée de légumes rôtis. Vous voyez une plaque de légumes rôtis. Je vais faire des légumes rôtis. Je vais faire cuire mes pommes de terre et faire cuire mon brocoli aussi. Et il y a une partie du brocoli du coup que je vais garder pour ma quiche. Je vais faire cuire à la vapeur. Et l'autre partie, je vais le mettre dans mes légumes rôtis. En fait, ce que je vais peut-être faire, c'est tout faire cuire à la vapeur. Ouais. Et je vais tout mettre sur une plaque, tout faire cuire à la vapeur. Et après, je ferai rôtir tout le reste, une partie. Oui, on va faire ça. Sur une plaque, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes pommes de terre, mes carottes et j'ai mis aussi un butternut. Je vais commencer à faire cuire ça et ensuite, là, aux petites roues, j'ajouterai mes brocolis. Parce que voilà, les brocolis, en 15 minutes à la queue, la vapeur, c'est cuit. Donc, je vais commencer déjà à faire cuire les légumes qui sont un peu plus durs et ensuite, j'ajouterai les légumes qui sont plus tendres. Une fois que ça sera cuit, je vais garder une partie du butternut, une partie des brocolis pour faire ma quiche la semaine prochaine. Et dedans, je vais rajouter des champignons, des oignons, de l'ail. Je vais tout aromatiser, un peu d'huile d'olive et tout. Je vais tout mélanger et je vais partir pour faire rôtir tout le reste. Alors, je fais cuire, mais pas voilà, jusqu'à ce que ça soit al dente. Il ne faut pas que ce soit trop cuit parce qu'après, ça va re-rôtir. Donc, il ne faut pas que ce soit trop cuit dès le début. Et je vais faire ça du coup avec mes cordons bleus jurassiens. Alors, cordon bleu jurassien, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme un cordon bleu, mais au lieu que ce soit une escalope de poulet ou de bœuf, ou de veau ou de dinde, comme on peut avoir, là c'est du bœuf et à l'intérieur c'est du fromage et du jambon cru. Petit truc aussi, je garde le pied de mon brocoli, je vais le couper en morceaux, le mettre au congélateur et en fait c'est comestible, ça vous fait une super soupe après au brocoli. Donc je les mets au congèle et quand j'en ai plusieurs, et ben je me fais une soupe pour le midi. Donc voilà, ça s'en va, cuisson vapeur au four. Alors j'ai préparé mes champignons, des oignons et j'ai fait une petite marinade pour assaisonner le tout. Enfin marinade, oui, assaisonnement on va dire. C'est moutarde à l'ancienne, fenouil, marjolaine, huile d'olive, sel, poivre et de l'ail semoule. Alors du coup j'ai mis de la courge butter et puis du brocoli de côté. Et là du coup j'ai tout mélangé, j'ai rajouté mes champignons, mes oignons, ma petite marinade et ça repart au four sous le grill pendant 10-15 minutes, le temps de faire cuire la viande. Greg est rentré, alors il était parti un petit peu au potager ce matin, puis après il est venu chercher Stacy, ils avaient rendez-vous au coiffeur ce matin. Donc ils ont été au coiffeur. Stacy est en train de faire son truc là, que j'avais acheté à Action. Là, vous voyez le truc à monter en bois là, la maquette. Bon, on va pouvoir manger. La viande elle est cuite et les légumes sont rôtis. Allez, à table. On a fini de manger. On y va, on va au magasin Bon Duel et on se dépêche de rentrer parce que Quentin doit passer vite fait à la maison chercher un truc à 5h. Et au cas où les enfants décident de partir en balade, il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'accueillir. Donc allez, go. On y va maintenant parce que je pense que cette semaine on n'aura pas le temps d'y aller. Donc on est rentré. On a été vite, on est parti quoi, 1 heure, un peu plus. Bon, après le magasin est vraiment petit hein. Pour ceux qui sont de la région, qui se demandent où est-ce que c'est à Villeneuve-d'Ascq. Alors c'est attendez, est-ce que... Alors, 51 rue Élysée-Resclus.
59 650 Vinodask. C'est un magasin, c'est le magasin Bonduelle en fait, il y a écrit la boutique Bonduelle. Alors ça vaut vraiment le coup si vous avez l'habitude d'acheter les trucs Bonduelle et la marque Casgrain. En fait, vous avez 30% des 30 euros d'achat. Déjà, les choses sont moins chères qu'en magasin. Et en plus, vous avez 30% dessus. Et alors, ils font aussi bien du surgelé, des boîtes de conserve, la marque Casgrain. Et aussi, ils font des grosses quantités. Vous voyez, pour ce qui est traiteur et tout, aussi. Je vais vous montrer. Alors, nous, on a fait un gros plein. On en avait logiquement pour... Alors on a eu 36 euros de remise et on en a eu du coup pour 83. Donc on en avait à la base pour 9, 90, 120 euros. Mais là on a un gros plein. Donc voilà, hop. Comme je vous ai dit, un gros plein. Alors j'ai trouvé des épis maïs comme ça, je sais si aiment bien. Et ils sont déjà cuits, ils sont déjà grillés. Il y a juste à les passer 12 minutes au four. Donc du coup ça pourrait être sympa quand on fait des petits barbecues ou quoi. Des petits burgers ou quoi. Enfin voilà. Ou même des barbecues, mais bon, c'est pas encore la saison. Des petits pois, j'en ai pris deux. Alors moi je prends tout le temps la gamme pré-cuit vapeur. Comme ça vous avez juste à les mettre dans... Vous n'avez pas besoin de les faire cuire quand vous pouvez directement les mettre dans, dans votre poêlée ou dans votre... voilà, juste les assaisonner et directement dans votre poêle. Pareil les haricots verts extra fins, donc c'est pré-cuit vapeur. Donc ils sont prêts, vous les faites juste revenir avec de l'ail, des oignons et tout. Et hop, des épinards. Et j'ai pris un trio brocoli, chou romanesco, chou-fleur. Après il y avait brocoli, il y avait chou-fleur, enfin voilà, il y a tout un rayon, bah, tout ce que vous trouvez en magasin de la marque Bonduelle, vous trouvez là et même plus encore. Parce qu'il y a des choses qu'on ne trouve pas en magasin qu'il y avait là-bas. Alors j'ai pas pris plus en surgelé parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans le congélateur. Donc du coup il faut que Greg fasse aller au fumoir pour évider un tout petit peu. Ensuite toujours en surgelé, j'ai trouvé ça, des fous. Maxi Crousty, Texas maïs, poivron, haricots rouges. Je me suis dit qu'on allait manger ça ce soir avec une petite salade. Ça avait l'air d'être bon. Et ensuite, au niveau des conserves, j'ai pris 4 boîtes d'haricots blancs, 2 boîtes, grosses boîtes de lentilles, 2 grosses boîtes de flageolets. En fait, vous allez voir dans les légumes, c'est surtout des légumineuses en fait que je prends et du maïs. Enfin voilà, des choses comme ça. 4 boîtes de maïs. Là, il y a 4 boîtes d'haricots rouges. J'ai pris des salsifis, c'est un légume qu'on aime bien. Des lentilles, j'ai pris en petite boîte aussi, comme ça je me suis dit pour les salades aussi c'est pas mal. J'ai pris aussi du maïs avec des olives aussi dedans. Je trouve ça pas mal aussi quand on veut faire une petite salade, une salade composée. J'ai pris haricots rouges façon chili. Alors je les avais pris la dernière fois pour goûter et en fait c'est bon et je me dis que, alors pas pour faire du chili, mais vous voyez vous rajoutez le midi, vous mettez ça, vous mettez des œufs dedans, ça fait style chachouka un peu à la mexicaine, voilà ça fait un repas qui va vite. J'ai repris 4 boîtes de pois chiches, on a pris aussi les pois chiches comme ça, graines de courge et touches de romarin, ils sont très bons et pareil en salade, c'est vraiment très très bon. Et la dernière fois j'avais fait la recette qui était écrite dessus. Pois chiches aux tomates cerises, capres et basilic. Et ben, elle était vraiment très très bonne cette salade. Je vous fais un petit... est-ce que vous voyez? Je vous l'avais déjà partagé en fait. Ensuite j'ai repris 4 boîtes de ratatouille. Alors je n'aime pas la tomate cuite et du coup j'ai beaucoup de mal avec la ratatouille. La dernière fois j'en avais pris une parce que Greg aime ça pour goûter et d'habitude je n'aime pas du tout la ratatouille. Il y a encore pire quand elle est en boîte et là en fait j'aime bien. Alors à part quand je la fais maison, j'aime bien parce que je mets moins de tomates. Donc là ouais, elle est vraiment très très bonne. Donc du coup j'en ai pris 4 parce que pareil, manger en ratatouille mais aussi le midi, un repas qui va vite avec des œufs à l'intérieur par exemple, style chachouka pareil, ou aussi en dans une tarte. Tarte salée aussi, ça peut être pas mal. Et j'ai pris du coup pour goûter des aubergines cuisine à la provençale et j'ai pris courgettes cuisine à la provençale. Voilà, pour goûter. Alors c'est rare qu'on achète des plats comme ça tout prêt, quoi, en fait, entre guillemets. Mais franchement, la marque Casgrain, elle est vraiment très très bonne, je trouve. À chaque fois qu'on a goûté quelque chose, à chaque fois, bah, on trouvait qu'ils étaient bons. Donc, alors après, vous voyez la différence de prix. La dernière fois, j'ai voulu acheter une boîte de ravioli, de ratatouille à Leclerc. La marque Casgrain, c'était 5 euros des brouettes.
Et là, elles sont à 3,60, c'est ça, hein, Greg? Ouais, 3,60, la grosse boîte, hein, c'est la grosse boîte de 600 grammes. Hein. C'est pas la... Parce qu'il existe trois tailles. Là, c'est vraiment la très très grosse boîte. Et ouais, donc il y a quand même une sacrée différence. Et en plus, vous avez 30%. Ouais, je vais ranger tout ça et remettre ça au congélateur. Ça y est, tout est rangé. Du coup, le cellier est plein, 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 plein. Je sais pas si vous allez voir. Hop là. Oui, je sais. Du stock. Hop, alors on voulait aller un peu bricoler dehors avec Greg, faire des 2-3 trucs, mais il pleut. En fait, on voulait ranger un petit peu, commencer un petit peu à enlever les plantes qui sont mortes, vous voyez, les trucs comme ça, mais ouais, c'est... il pleut. Alors là, du coup, il s'est dit qu'il allait mettre en peinture le mur de notre chambre. Donc il est monté, il va aller mettre ça en peinture. Moi, ce que je vais faire, c'est que... Je vais aller faire la deuxième patte de mon lapin. C'est son deuxième petit bras. Il me reste ça et sa queue à faire. Donc je me dis... allez, j'ai mal au ventre. J'espère que je... En fait, j'ai comme des envies de vomir. Barbouillé. J'espère que je ne me suis pas chopé la gastro. J'en ai marre en ce moment. Hein ? On se partage les microbes, mais grave. Allez. On va aller s'installer dans le canapé. Je vais m'installer là, en face de Stacy. Comme ça, je verrai un peu mieux. Elle est en train de faire, comme je vous ai dit, le truc avec le papillon. Elle dit que c'est un peu gaspillé celui-là à faire. Ça tient pas vraiment, elle dit. C'est toutes des petites pièces à assembler. Oui, il y a la fleur et tout. Et il n'y a rien qui est... Du coup, il y a de mal ruse. Elle utilise de la colle. Je ne peux pas dire. Parce que ouais, il y a de moins les pièces, elles tombent. Et en fait, c'est tout un mécanisme. Il faut tourner et le papillon fait comme si... C'est comme s'il volait et qu'il venait... Il vient butiner la fleur. Là, tu l'as fini? Oui. Bah, et cette pièce là c'est quoi? C'est en fait j'ai cassé. C'est tout. Alors j'ai pris celui là parce que ça me semblait le plus complexe à faire. Mais bon, elle a quand même fait ça en moins de 2. Alors, mais c'est... Ah oui, écrit intermédiaire, en effet. Elle me dit qu'il y avait les niveaux, j'avais pas vu. Parce que les autres, en fait, il y avait comme une roue. Vous voyez la grande roue, là, qu'on a, qu'il y a souvent dans les manèges, dans les foires. Il y avait ça, et il y avait un peu comme un map monde ou je sais pas quoi. Mais il me semblait simple, en fait, à faire le map monde, comme s'il y avait des grosses... que c'était des grosses pièces en fait, donc je me suis dit ça va être trop simple. C'est l'extérieur qui ressemble comme ça mais pas l'intérieur. C'est comme par exemple le locomotive. Ouais. De l'extérieur on dirait que c'est simple alors qu'il y avait plein de petites pièces et tout, l'intérieur et tout. Bon allez. Bah, elle l'a fini. Et du coup, on va lui rechercher les deux autres, comme ça. Il y avait trois modèles quand j'ai pris celui-là, je savais pas lequel prendre. Et elle dit qu'ils sont un petit peu plus compliqués que les autres, celui-là. Je vous montre. Papillon qui vole. Alors, je pense que ça risque de plaire à Léo, mais je sais pas s'il va falloir lui montrer parce qu'il faut être minutieux. Parce qu'il a pris la chanson, c'est quoi ? Papillons qui volent là, donc ils font le geste à l'école, enfin voilà, il a appris cette chanson là, alors à chaque fois il me demande, il fait le geste du papillon et il demande de dessiner un papillon quoi. Si tu me tiens pendant qu'il tourne, ça y est. Ouais, peut-être il va faire waouh. Ouais, c'est assez sûr. Bon allez, donc du coup on va aller faire un petit tour à Action. Greg est en train de mettre en peinture et moi je finirai le bras après. Ne jamais aller à Action avec Stacy. Hein, chérie? Non. Si. On allait pour ça. On a été pour des activités
manuel. Elle m'a fait acheter un petit un truc pour faire les dessins, un truc pour faire des dessins. C'est un truc avec des feuilles d'art émarlées. Jamais loin. Mais c'est grave, hein. J'ai l'impression qu'il sent vraiment l'odeur en fait. Ça, c'est un petit cahier. Il est en train de regarder partout pour voir s'il y a un truc. Donc ça, c'est un calepin avec, il y a des crayons en fait dedans et tout. Cherche. Ça, c'est pour moi. J'ai repris du papier sulfurisé. Il y en avait pas. Enfin, j'aime bien prendre celui-là. C'est celui avec, vous voyez les feuilles. La fois que j'ai été, j'ai regardé, il y en avait plus. J'ai pris des bonbons pour la voiture à Greg. Cécile, elle m'a fait prendre un truc de chips. Quoi, ça. Et elle a pris de la pâte à modeler comme ça, la durcissante. Voilà. Et je me suis pris. Ah oui, non. Elle a pris ça aussi. Du gel hydroalcoolique, elle aime bien. Et elle a pris. C'est des trucs pour mettre sur les. Pour mettre sur les boutons. Je me suis pris un petit stylo, un petit truc comme ça, c'est pour faire avec mon tricot. Et je me suis pris un calepin pour, avec des stickers pour mettre sur mon agenda. Et ça aussi. Voilà. C'est bar ? Oh, il a l'air d'être pas mal. C'est con, c'est que j'ai regardé s'il ne faisait pas les calepins pour mettre dedans. Ah, peut-être que si. Quand tu regardes, regarde. Je pense que j'ai déjà vu cela. Ah non, je sais pas. Ouais. Bon, il y a tous les crayons. Vous voyez, c'est les H avec les D et tout. Avec différentes grappes en fait. Et il y a un truc pour faire des croquis. Avec la gomme et tout. Si tu veux, ma gomme, elle est dans mon truc. Si tu veux. Ouais. Et. Ça. C'est un journal en fait, mais c'est des feuilles, vous voyez, des grosses feuilles à l'intérieur. Donc il y a même, tout à l'heure, même une enveloppe. C'est vraiment des feuilles très très épaisses à l'intérieur. On pouvait même faire de l'aquarelle, je pense, avec. Et là en fait, c'est des petits spatchs pour mettre sur les spots, pour mettre sur les boutons. Il y en a 36 dedans, tu veux. T'en veux un mal. Et là voilà, là c'est deux kits, donc il y a celui-là, c'est un fermacro, et celui-là. Mais changement de programme pour ce soir, les enfants avaient envie d'aller manger à l'extérieur, donc du coup on va aller manger aussi à l'extérieur. On va aller manger, on va aller manger à 5 quoi, en fait, on va aller manger ensemble. On va aller manger aux 3 brasseurs. C'est un truc où j'avais été avec mes sœurs et ma mère. Alors, il y avait longtemps que j'avais pas. J'avais déjà été aux 3 brasseurs, mais j'avais pas aimé. Et ils ont complètement changé le concept, en fait. Et c'est vraiment axé sur la cuisine du Nord et tout. La cuisine de brasserie. Et quand on a été retourné avec mes sœurs et ma mère, j'avais vraiment aimé. Je trouvais ça pas mal. Donc, j'avais dit aux enfants, une fois, il faudra qu'on y essaye ensemble. Donc voilà, c'est l'occasion. Allez, on donne à manger à Marley, puis on va y aller. Par contre, je viens de téléphoner pour voir s'il y avait de la place, qui est déjà presque 20h. Et ils m'ont dit qu'elle allait avoir un petit peu d'attente à l'accueil. Mais bon, c'est pas grave, on attendra. Je vais peut-être remettre de la batterie à mon téléphone. Bon, allez, on y va. On est rentré. Alors, on est vite rentré. On a même dû laisser Angel et Marine là-bas. Parce que Stacy s'est pas sentie bien d'un seul coup. Toute blanche et avoir envie de vomir, donc du coup on est vite parti. Alors je sais pas, moi c'est passé, j'ai pris tout à l'heure quand je vous ai dit que j'avais envie de vomir, j'ai pris un cachet et c'est passé, donc j'espère que c'est pas une épidémie de gastro qui va se pointer à la maison, hein, parce que du coup on a même chose qu'on fait jamais, mais on a demandé un toddy bag pour emporter les restes parce que elle avait pas tout mangé. Et ouais, donc du coup, pour pas gaspiller, hein. Ben, du coup, on va aller se démaquiller, mettre son pige et aller faire dodo. Je vous montrerai la vidéo demain, je pense. Comme demain, je ne fais rien. On est dimanche, enfin, je fais rien, entre guillemets, puisque je vais bosser. On va aller profiter entre guillemets de sa soirée, mais je pense que je vais vite aller me coucher. Bon, allez, croisez les doigts pour nous. Faites que ça soit pas la gastro maintenant. Hein, mais en fait, avec l'humidité qu'on a, ça m'étonne pas. Hein, qu'on a plein de microbes comme ça. C'est une horreur, comme aujourd'hui, à pas arrêter de pleuvoir encore une fois.
Mais bon, vivement le printemps. Et encore en espérant que c'est pas un printemps pluvieux. Hein? Allez, je vous fais des bisous. Et du coup, je vous dis à lundi pour moi et à demain pour vous. Bisous, à lundi. Right now, you said yourself you'd be breaking everything.